Hey, Madlo ici, Défroyé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur comment réaliser une maison sur une falaise. Donc, il s'agit de la maison que vous avez derrière moi. Et donc, voici la maison sur la falaise. Hein. Je sais qu'elle est assez sympathique, comme vous pouvez le voir, assez grande, assez spacieuse et tout. On va plutôt aller voir à l'intérieur comment ça se... Hop, comment ça se configure. On arrive du coup dans une flaque d'eau à l'entrée hein, qui donne directement sur la falaise, sur la mer. Et on arrive directement sur le salon à l'entrée avec des transats parce que c'est pratique. Parce que... pratique non, mais c'est la classe. Avec du coup des bibliothèques, un étage en dessous. Hop, une salle à manger, une chambre on va dire avec... une chambre prééminente qui donne directement sur un couloir. Hop. Une petite cuisine. Donc comme vous le voyez, je suis pas un as de la décoration. Voilà. Bon. Ça va se faire. Voici donc la maison en question. Et c'est ça qui est un peu particulier. C'est que l'entrée de la maison se trouve au-dessus, tout en haut de la falaise. Tout en haut de la montagne. Et qu'après, il faut voir de l'extérieur pour voir à quoi la maison ressemble. Alors, juste petite précision, lorsque vous voudrez faire cette maison-là, vous aurez besoin d'un assez grand, une assez grande place plate sur une falaise. Donc du coup, il vous faudra tailler la falaise avant, rendre la falaise lisse et plate en fait. Mais pas trop non plus, il faut faire attention. Parce que par exemple, moi j'ai laissé ces espèces de bords comme ça, ok, de part et d'autre de la falaise. Et j'ai lissé tout le reste. Parce que il vaut mieux laisser les bords pour que ça fasse un petit peu naturel. Si jamais vous mettez une falaise complètement droite et plate, ça risque de faire un petit peu artificiel, un petit peu bizarre. Voilà, c'est un petit peu mon astuce déjà pour préparer ça. On va se retrouver tout de suite sur l'endroit, sur la place, là où on va faire le tuto. Hop, où j'ai essayé de trouver une autre falaise. C'est là où c'est un peu le souci, c'est qu'il faut trouver un endroit où on peut la mettre. Ok, donc avant toute chose, je vais vous montrer combien de blocs vous aurez besoin pour réaliser cette maison. Hop, comme d'habitude, youp. Ok, donc avec ça, je vais vous montrer quel pattern il va falloir mettre sur la falaise pour pouvoir réaliser la maison. Donc je vais vous donner les dimensions et les plans de la maison. Ok, une fois qu'on a ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire des... on va faire ressortir la maison de la falaise. C'est-à-dire que entre ce bloc-là, ok... Et cette partie-là, donc toute cette partie-là ici, là, tac, tac, jusque-là, on va le faire ressortir de 4 blocs de la falaise ici, comme ça, ok? Sur toute la longueur, allez hop, je vais faire ça rapidement. Et voilà, donc, la partie ressortie de 4 blocs de la falaise. La partie dessous, ok, donc toute cette partie là ici ainsi que la partie en dessous, on va la faire ressortir mais que de 3 blocs de la falaise. Donc là on avait déjà mis un premier bloc, 1, 2, donc là ça fera 3, et donc décalé de 1 bloc par rapport à l'autre partie, et c'est ça qui est intéressant. Donc on fait ça, hop, assez rapidement ici, hop, je pense que j'ai même pas besoin de faire un accéléré, hop, parce que c'est vrai que là, hop, voilà j'ai quasiment fini. Youp, ok, vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans cette particularité d'architecture, c'est qu'on a la cassure à ce niveau-là, vous voyez, c'est pas un plan tout à fait droit, et de ce côté-là, ici aussi, on a une cassure, ce qui est une deuxième petite astuce de l'architecture que moi j'aime bien, et qui rend, qui donne une façade un peu dynamique à la maison, donc ça c'est cool. Ok, à partir de là, on va creuser dans la falaise, à l'intérieur de la falaise, c'est ce coup-ci, de 12 blocs de profondeur, ok, donc on va venir ici, hop, on va creuser donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, et on va creuser comme ça cette profondeur là sur toute la surface jusque ce niveau
ici en fait, ok? Donc on est un bloc derrière l'espèce de marche à ce niveau-là, et on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs depuis le bout ici, d'accord? Donc entre cette partie-là et tout jusqu'au bout là-bas, on va enlever toute cette partie-là jusqu'à 12 blocs de profondeur dans la falaise. Et voici ce que ça donne. Alors j'ai un peu éclairé aussi parce que sinon on voit rien à la caméra, mais vous avez pas du tout. Oh, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser de la glowstone vous-même. Ok, donc ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va prolonger tout simplement les parties en quartz. Oui, c'est vrai que je précise aussi, mais j'oublie à chaque fois. Moi, personnellement, j'utilise du quartz, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser du quartz. L'idée étant de prendre un bloc blanc. Moi, j'utilise du quartz parce que c'est pratique, parce qu'on a des dalles et des escaliers. Mais vous pouvez utiliser de la neige. C'est beaucoup moins coûteux en survival, hein, la neige, ou les laines blanches de mouton, ou... la diorite, tout ce genre de choses. Voilà, bien sûr. C'est vrai qu'on avait fait un commentaire là-dessus un coup. Bref, du coup, on va prolonger notre plancher, nos murs et tout jusqu'au fond. Sauf peut-être le dernier bloc. Le dernier bloc du fond, on va le laisser vide, d'accord? Parce qu'on va mettre le mur du fond qui va être en bois. Hop, donc on enlève ça aussi, il n'y a pas besoin. Etc, etc. Donc l'idée, voilà, on comble les murs sauf le bloc du fond. Hop, le toit pareil, enfin le plafond, ainsi que le sol. Alors moi j'ai fait un trou ici supplémentaire, mais l'idée c'est de suivre la forme, hein, de notre pattern à la base. Donc vous suivez la forme comme ça aussi, jusqu'au bout. Hop, et hop, et tout le plancher, tout le plafond et... le mur ici, on va pas faire non plus. Tiens, d'ailleurs, effectivement, je suis en train de réfléchir. Donc, le mur du fond plus le mur du côté à ce niveau-là, on le laisse tranquille, peinard. D'accord? Ok, allez, on fait ça rapido. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser du coup les blocs de spruce plank, donc des planches de sapin, si je dis pas de bêtises. On va venir ici, hop, on va enlever ça et on va venir mettre... Non, voilà, on va faire un mur comme ça. Ok. Et on va venir prolonger sur l'arrière. Hop. Ah, voilà, si j'arrive à faire ce que je veux, à prolonger comme ça les blocs de bois sur le mur de ce côté-là. Et sur le côté ici aussi. Alors, à ce niveau-là, on va faire un trou plus tard pour pouvoir mettre un escalier. On verra ça plus tard. Chaque chose en son temps. Hop. Hop, voilà, donc là on voit rien du tout, mais voici ce que ça donne. Ok, on va faire une autre petite chose ici, c'est-à-dire qu'on va faire une entaille dans le mur, hop, comme ça, donc entre le mur à ce niveau-là et le bout du mur ici, enfin le bout du toit, ok? Donc ici on a une espèce de petite bande, hop, on va enlever ça et on va mettre du quartz à la place, et ici aussi, tiens d'ailleurs. Hop, comme ça on va avoir une espèce de petit renfoncement dans la falaise. Juste à ce niveau là, ça nous permettra d'avoir une terrasse ici plus tard, un petit peu plus grande. Ce qui est bien, on aime les grandes terrasses, on aime. Alors, l'étage du dessous, on va faire pareil, on va creuser de 12 blocs de profondeur dans la falaise. Voilà, hein, donc entre ici, on va faire même un peu plus loin où on va creuser un aquarium. Hein, comme vous avez pu le voir au niveau de l'entrée, l'aquarium ça sera l'entrée en fait. Donc là on aura 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs de profondeur. Ok, et on va faire ça sur toute cette partie là. Ok, on va enlever toute cette masse de cailloux comme l'étage du dessus en fait. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, de la même manière que ce qu'on a fait au-dessus, on va prolonger les parties en quartz, hop, comme ça, jusqu'à un bloc avant la fin, hop, ici comme ça, donc sur le plancher, sur le côté du mur, sur le plafond, et tout ça, et tout ça. Sauf de ce côté-là, tiens d'ailleurs, s'il me semble de ce côté-là,
De ce côté-là, on va avoir un trou pour la future entrée, donc l'aquarium. Donc, on touche pas ce côté-là pour l'instant. Ok, donc on fait ce côté-là ici, le plancher, le plafond, et puis, voilà, enfin, on fait déjà ça. Hop, voilà. Ok, voilà ce que ça donne du coup, hein. On va mettre le mur du fond en place, du coup, avec les blocs de bois de sapin, hop, et ça sera juste un coup pour ce mur là on va creuser dedans pour faire en fait une hop, comme je le disais, un aquarium. Donc on va creuser l'aquarium d'abord et on va véritablement faire les murs après, hein. C'est quand même plus logique. Après on fera aussi cette partie là parce que bah il faut le faire en fait. D'ailleurs, pour cette partie là je viens de remarquer que j'ai mis trois blocs d'épaisseur, mais en fait il faudrait juste un seul bloc pour cette partie en dessous, pour le troisième étage. Yup, ok. Voilà, donc on va dessiner la forme de l'aquarium. En fait, on va faire comme si c'était une grotte creusée dans la falaise et on va hop et on va voilà creuser une grotte dans la falaise dans laquelle on va mettre de l'eau et un aquarium. En fait, on va faire revenir un peu par-dessus comme ça. Voilà, et on va faire quelque chose un peu comme ça. Alors, il n'y a pas vraiment de dimensions, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, parmi vous, me demandent toujours les dimensions dans tout. Là, pour le coup, c'est vraiment en fonction de votre terrain, de là où vous êtes. Et il faut faire quelque chose à peu près comme ça. Voilà, il n'y a pas tellement d'autres réponses possibles, en fait. Voilà, donc, il va falloir creuser pareil sur juste l'espace. D'un escalier qu'on va laisser, donc on va laisser un espace de deux blocs ici pour faire un escalier, puis à peu près aller 2-3 blocs pour faire un mur, et on va au moins creuser jusque là. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, bon, allez, je vais commencer comme ça et on va bien voir où est-ce que ça va amener. Hop. Voilà, et donc en fait il faut faire vraiment un gros trou dedans. Je vais peut-être faire des petits accélérés pour vous, ça sera plus hop, plus pratique. Ok, une fois qu'on a creusé un trou un peu de ce genre-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prolonger le mur ici de un bloc pour qu'il dépasse d'un bloc comme ça, qu'il n'y ait pas de connexion de texture avec la pierre. C'est quand même un petit peu dommage. On va venir prolonger ici comme ça, hop, le mur, dans ce genre-là, peut-être le faire dépasser d'un bloc. Il y aura toujours des connexions de texture quoi qu'on fasse. Ok, on va commencer par là, du coup on va mettre des dalles. Et on va rajouter un mur en verre, du coup, hop, ici à partir d'un bloc, hop, de profondeur dans la falaise directement, jusqu'à ce niveau-là. Ok, jusqu'au niveau, hop, ici là du coup, vous voyez, hein, on va rajouter juste un bloc de ce côté-là du mur. Ok, et on rajoute hop, voilà, un mur en verre qui va nous permettre de mettre un aquarium. Donc ça c'est cool. Alors du coup vous pouvez remarquer qu'il manque un petit peu d'éclairage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre tout de suite hop des torches ici, et on va mettre de l'eau, hop, de l'eau. Alors l'idée, pour pas avoir de problème de courant ou ce genre de choses, il faut vraiment y aller couche par couche pour tout ce qui est de la mise en eau. Donc voilà, on va vraiment faire ça hop, couche par couche pour qu'il n'y ait pas de soucis. Bon bah ça se fait plutôt bien. Une fois qu'on a ça, du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est un petit peu d'embellissement quand même, parce qu'on a envie de quelque chose de propre. Donc on va prendre, je vous propose de prendre du corail, de comment on appelle ça, des cornichons qui font de la lumière.
voilà, du kelp, donc du, alors je sais même pas comment on appelle ça en français, de la cigrasse, donc des algues du fond de la mer, et du corail bulle apparemment, et du corail céréal, ok, corail jaune, corail mauve, pouf, et on va en mettre un petit peu partout, yup, 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 allez, l'autre maintenant, paf, 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 ok, et le reste, on mélange un petit peu avec, pouf, de l'herbe de la mer, hop, et le reste en kelp, comme ça, peut-être, alors attends, vous voyez ce que je n'en ai pas mis, ok, comme ça, ça nous donne un petit peu plus de, un petit peu plus de couleurs tout de suite, c'est sympathique, hop, ok, très bien, donc maintenant on va devoir définir l'emplacement à partir, alors on va devoir faire l'escalier d'abord, je suis en train de réfléchir, on va devoir faire d'abord l'escalier, peut-être comme ça, on va venir prendre des escaliers en bois, assez classiques en fait finalement, on va prendre les escaliers en bois, hop, ok, et on va venir les mettre, yup, yup, comme ça, et du coup il manque un petit peu d'éclairage à ce niveau là, donc ce que je vous propose de faire, c'est de creuser dans, de deux blocs de profondeur dans le mur ici, et tous les trois blocs on va dire, on va creuser comme ça, tous les 2-3 blocs, c'est ça, donc hop, on va venir ici aussi, paf paf, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf, 2 blocs de profondeur, on met des torches au fond des trous, et hop, des trappes comme ça pour camoufler, hop, les torches, ok, donc ça, ça donne un côté un peu plus sympathique, j'ai mis des torches ici, ouais, très bien, youp, ok, alors, on va enlever ici aussi, mais là où vous remarquez que l'on a une connexion de texture entre le quartz et le bois ici, donc on va utiliser les trappes en sapin et on va faire ça comme ça. Comme ça, ça permet de donner un peu l'illusion. Bon, ça, il y a toujours une connexion de texture ici, mais bon, elle est vraiment très très fine. On a amélioré la situation. Ok, donc par contre ici, il va falloir changer les choses. Hop, on se met à l'envers, on met des escaliers à l'envers, hop, hop, comme ça, et on met aussi, bien sûr, les blocs par derrière, et ça nous fait un escalier tout joli. Ok, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, alors il y a les murs à mettre ici, et il y a aussi l'étage du dessous. Alors, l'étage du dessous, on va faire la même chose, on va creuser 12 blocs de profondeur dans le... dans la falaise, hein. Hop, comme ça, donc 12 blocs, hein, comme on avait fait pour les étages du dessus, et une fois qu'on a ça, on remplace le sol et les côtés par du quartz, tout bêtement, hein. Hop, ok, donc, bon, pareil que les étages du dessus, hein, quartz partout, sauf au fond où j'ai mis des, hop, des murs en machin comme ça. On va mettre des torches et des trappes. J'ai plus mes trappes avec moi. You, youp, paf, whip, youp. Et alors, attends, je descends. Et pif, et paf, et paf. Donc, très bien. On a notre mur éclairé et tout et tout. On va reprendre nos escaliers comme ça, en bois de chêne, tout à fait classique. On va partir du bout ici et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et paf, 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, 6ème bloc, on pose des escaliers et on va venir pouf, 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 comme ça, hop, casser le mur pour pouvoir mettre un escalier et on en met aussi à l'envers, à l'arrière, parce que du coup c'est mieux. En plus de ça, on peut mettre des barrières, on peut les mettre ici et par exemple là ou là, tu vois, un truc de ouf, tu peux mettre même là, t'en peux même mettre mode 2 si tu veux. Truc de dingue, on est sur Minecraft, c'est la liberté absolue. Bref, on rajoute des feuilles, pouf, pouf, et du coup, d'un seul coup,
ça nous fait un étage avec des choses. Donc on peut rajouter une cuisine à la limite, un atelier, des bibliothèques avec un table de craft, pas avec une table de craft, avec comment on appelle ça, une table d'enchant. Enfin bref, il y a des possibilités de faire des choses ici. Mais ici, moi j'aime bien, vous savez quoi, mettre un petit... Alors, si tant est que je les retrouve... Oui, c'est bon, paf, du premier coup. Hop, un petit plongeoir. Parce que effectivement, oui, sur mon modèle, la maison est au-dessus de la mer. Donc forcément, un plongeoir, ça fait plus de sens qu'ici. Mais bon, cherchez pas la cohérence non plus, trop loin. On va mettre, voilà, un petit plongeoir avec des dalles. Oui, voilà, des dalles, oui, et on va utiliser de la vitre classique pour faire, hop, la petite rambarde sur le côté, voilà, histoire qu'on tombe pas. On peut tomber là, mais on peut pas tomber là, parce que sinon c'est dangereux. La base. Alors, du coup, ici, on va rajouter, pouf, paf, pif, pouf, des dalles à ce niveau-là pour pouvoir avoir un petit marchepied pour pouvoir monter dans la maison. Ok. Dans l'aquarium, qu'est-ce que je raconte. Ok, donc ici, on va faire les murs. Et pour cela, on va utiliser les blocs de bois comme ça. Ok. On va venir ici. Paf. Ok, donc il y a un souci. Je vais enlever cette partie-là du mur, ok. Et je vais la décaler de un bloc sur le côté, parce que j'avais mal fait, tout simplement. Donc, on met, voilà, notre mur ici, comme ça, ok. On décale celui-là. Et on fait un mur de 3 blocs de long. Ok, en face, youp, hop, un remur de 3 blocs de long. Ou re-un mur, oui, si je veux bien parler la France. Alors, ici, au niveau du deuxième étage, youp, on se met ici comme ça. Alors non, on se met comme ça. Ok. Et on fait un autre mur de 3 blocs de long aussi. Youp. Et la même chose de l'autre côté. Ok. Voilà, donc là, on commence à avoir la maison qui se formalise un peu plus quand même. Donc du coup, on va reprendre... Les vitres fines, comme ça, classiques, et on va les mettre dans les trous entre les grands murs qu'on a fait juste avant. Hop, comme ça, paf, 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 paf. Ok, on va aussi la mettre ici. Hop, 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 et hop. Et on va mettre dans le trou ici. Et on va aussi en mettre juste à côté pour faire, hop, 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 la terrasse. Donc ici, là, par exemple, on part de là. Hop. Et on va faire tout le tour jusqu'ici. Ok. Ma foi. Une fois qu'on a ça, du coup, on va utiliser les trappes que l'on va mettre sur la façade directement, histoire de donner un petit côté plus sympa. Donc, on va venir ici, par exemple. Comme ça. Ah. Oui, donc on va mettre des trappes comme ça sur la façade, mais décalées du mur lui-même, de un bloc comme ça, pour pouvoir avoir une petite astuce de décoration. Voilà, c'est plus un truc comme ça. Hop, on va se mettre ici. Paf, 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 ok. Vous voyez, ça donne un côté sympathique. Hop, là aussi, pareil, on se met ici. Ok. Ah. Ah oui, mais non. Voilà. Ok. Eh ben très bien. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, on va utiliser les pots de fleurs. Les pots de fleurs avec des fleurs. Hop. Ils sont où? Ils sont là. Ok, très bien. Faudrait que j'utilise les autres blocs qui sont arrivés sur Minecraft, genre les échafaudages, où il y a plein d'autres blocs qui sont apparus, genre tout ça, là, j'ai jamais utilisé encore vraiment en construction. Faudrait que je m'y mette. Et on va prendre, par exemple, des genre qui des bleus. Et on va mettre des pots de fleurs ici, là, par exemple. Voilà. Hop, ok. Et puis ici, on va rajouter un petit peu aussi... Voilà.
Ma foi, ça donne un petit côté, voilà, ça me donne un petit peu plus de choses. Très bien, donc une fois qu'on a ça, on va reprendre les trappes comme ça. On va venir au premier étage, youp. Ok, et on va faire cette pièce-là directement, on va faire un mur en trappe. Comme ça, c'est beaucoup plus fin et on a plus d'espace pour se déplacer. On va prendre ce bloc-là, on va aller sur le côté et on va compter deux. Alors, un bloc, deux blocs, et à partir de ici, comme ça, on va mettre un mur de trappe et on va laisser deux blocs de vide à côté de la vitre. Et donc, on va faire monter ce mur-là jusqu'au plafond, de sorte que on ait un mur en fait. Youp. Hop, ok. Et voilà, magnifique, superbe, incroyable. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc, d'ailleurs, on va refaire une autre mur de... Oui, une autre mur. Moi, je parle très bien la France. Un autre mur, du coup, de pancarte ici, comme ça. On va laisser trois blocs ici, ce côté-là, par exemple. Alors, pouf. À côté de l'escalier. Hop. Et puis voilà. Bon, on a séparé les espaces. Ici, il y aura une bibliothèque, du coup. Hop. Et ici, il y aura l'entrée de la maison. Parce qu'on n'a pas encore fait l'entrée de la maison. Ça, c'est quelque chose qu'on a complètement zappé. Alors, pour savoir comment on va faire l'entrée de la maison, je vais compter par rapport à ici. Vous prenez le coin, là, vous voyez. Ok, ce coin-là de la maison. On va compter un bloc, deux blocs, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on va se mettre ici. Et on va se mettre... attendez, je vais faire un trou à ce niveau-là. On va voir ce que ça va donner. Donc à 8 blocs décalés du bord de la maison. Et ici, ok, on va se mettre collé... non, pas collé du coup. Je suis en train de réfléchir. Il faudrait mettre un trou comme ça. En fait, on va faire un trou de deux blocs de large, ok. Et on va venir entourer ce trou-là de vitres, de blocs de vitres complets. Non, pas de comme ça. Hop, de blocs de vitres. Et c'est là, vous voyez, où je peux plus poser mon bloc de vitres ici. En fait, je me suis trompé. Il aurait fallu que le mur de trappe ici soit de ce côté-là, en fait. Vous voyez, juste décalé de ici à ici. En fait, ça m'aurait permis de mettre mon bloc correctement. Hop, donc voilà. Petite rectification. On va mettre le mur ici. Hop. Alors, c'est un tout petit décalage, mais ça change tout au final. Hop. Hop, vous voyez, donc c'est vraiment un décalage minuscule. Hein. On passe de là à là. Mais malgré tout, hop, on va devoir le faire. Ok, donc cette fois-ci, on a notre place qui est libre. On monte les blocs en vert jusqu'au plafond. Ok. Ok, alors je vais peut-être entrer dedans quand même. Et on va creuser le sol pour ressortir jusqu'au-dessus. Et on va prendre les blocs, hop, de quartz que l'on va faire venir jusqu'à la surface. Hop, comme ça, on creuse et on remplace par des blocs de quartz, histoire que notre entrée soit un petit peu propre quand même. Vous voyez, hop, on va mettre des blocs comme ça autour, histoire de faire croire que c'est une entrée bien faite. Youp. Et on met des blocs ici comme ça. Et donc la particularité de cette maison, ça sera effectivement que l'entrée, bah, ça soit un espèce de trou de cheminée au niveau du sol. C'est un peu particulier. Comme ça, quand les gens, vous inviterez des gens chez vous, vous pourrez leur dire, eh bien voici ma maison, magnifique, n'est-ce pas, un peu comme ce que je vous ai fait au début de la vidéo. Magnifique maison. Hop, youp, suivez-moi. Youp, plaf. Et d'un seul coup là,
Si jamais ils n'ont pas vu votre maison de loin avant, évidemment, eh bien vous pourrez leur faire une sacrée surprise. Donc, maintenant, je pense qu'on est bon au niveau de l'emplacement des pièces. On va faire la décoration. On va commencer à faire la décoration d'intérieur. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas forcément très bon en décoration d'intérieur. Je vais juste finir par des feuilles et des... Comment on appelle ça ? Des daylight detectors, donc des panneaux solaires. On va mettre des panneaux solaires sur le dessus ici. Hop, on va y mettre une bonne douzaine. Voilà, 12. Hop, en mode nuit, parce que ça fait plus panneaux solaires du coup. Et on va prendre les feuilles et on va les mettre sur le côté. Hop, comme ça. De la maison. Ok. On pourrait mettre ici aussi, vous voyez, pouf pouf. Voilà. Qui est plutôt bien foutu. Alors, pour vous montrer un exemple de décoration d'intérieur, alors, je suis pas un expert en décoration d'intérieur, ça vous avez pu le remarquer, mais du coup, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, voilà, en guise d'exemple, mais je me vois mal vous faire un tuto de déco d'intérieur, sachant que je suis pas vraiment bon du tout là-dedans. Donc, au niveau de la terrasse, du coup, on va commencer par là. Petite barrière et feuilles pour faire des plantes. Bon. Alors, les transats, ça par contre, je suis bon, on va faire des transats. Escalier dalle avec des trappes sur les côtés pour faire un transat avec accoudoir. Et oui, quand même, un minimum. Hop, sur le... sur la terrasse. Ici, du coup, petite chambre, du coup, lit mauve avec des tapis de la même couleur autour. Bon, en plein milieu, pour pouvoir mettre un tableau juste au-dessus. Entouré par des étagères en bibliothèque. Voilà, donc en dessous les trappes, il n'y a rien du tout. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Bon. Voilà. Hop, derrière, ici, petite table très simple. Hein, escalier trappe pour faire un fauteuil. Bon, barrière et plaque de pression pour faire une table. Pareil, ce sont des très très vieilles techniques. La cuisine... Bon, levier vers le bas, escalier avec de l'eau dedans, et voilà, donc des fours avec des trappes en fer par-dessus pour essayer de faire croire à des gazinières. Voilà, dans l'idée, puis tapis, puis... voilà, un petit... comment pourrait-on appeler ça ? Une petite armoire, une petite étagère, avec des coffres, avec des portes. Donc voilà, le truc ultra classique, encore une fois. Alors... Ah, l'étage du dessous, par contre, c'est un petit peu plus poussé, on va dire ça comme ça, avec des escaliers en purpur. Je n'avais jamais testé de faire des choses avec du purpur parce que je comprenais pas l'intérêt de ce bloc. Il est moche, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça fait des jolis sièges, à défaut de faire autre chose. Voilà, donc 4 escaliers mis comme ça. Et puis, ça fait des jolis fauteuils. Alors, barre de laine avec des tapis mauves pour être un petit peu dans le même ton de couleur que les fauteuils, finalement. Bon, voilà. Alors là, par contre, la petite astuce qui est bien, qui fait du bien. Hop, ce sont donc du béton noir que l'on a mis directement incrusté dans le plafond. On a rajouté du coup des vitres grises par-dessus pour faire croire à un lustre alors que ça n'émet absolument pas de lumière. Oula, je suis tombé. Non... Voilà, ça n'émet pas du tout de lumière, mais ça fait comme si c'était un lustre, donc ça passe. Voilà, donc les transats, de la même façon que ce qu'on a fait au-dessus. Oui, des lanternes aussi, effectivement, ça c'est pas mal du tout. J'ai découvert ce bloc-là il n'y a pas longtemps, et c'est très 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 joli. Voilà, des dalles en pierre lisses. Pour faire des espèces d'étagères, ça marche bien. Ok. Voilà, donc là, c'est peut-être le meuble le plus détaillé de la maison. Donc avec des bibliothèques et des trappes entre deux barres de bibliothèque. Voilà. Endrod avec des piliers de bois avec boutons. Bon, ça fait un peu comme si c'était des tiroirs, finalement. Ouais, ça passe. Avec un petit tapis devant pour donner de la couleur.
Ok, et au niveau du bas, bah, je n'ai rien rajouté, hein, comme ce que vous avez déjà vu. Hop, donc voilà, en ce qui concerne la décoration. J'espère que ça vous aura plu comme maison. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo. Et un maximum de commentaires pour me dire que c'est absolument génial et que je suis un génie absolu. N'hésitez pas à dire ça, franchement, ça ne coûte absolument rien. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez vous-même voir en tutoriel sur la chaîne. Et sur ce, bon vent matelot, et à la prochaine !